Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur la précision des mesures qu'on doit prendre en chimie. On va parler des incertitudes sur les mesures expérimentales et ces incertitudes-là vont dépendre des appareils. Donc, on va apprendre comment déterminer l'incertitude d'un appareil, puis comment faire des calculs avec ces incertitudes-là. Donc, d'abord, parlons des précisions des mesures qu'on va prendre lorsqu'elles seront prises avec un appareil de mesure expérimentale. Première chose à faire, c'est de choisir le bon appareil. C'est pas tous les appareils qui vont avoir la même précision. Donc, quand on prend une mesure, ben, la mesure, elle sera pas parfaite et elle va dépendre de l'appareil. Quand on va choisir l'appareil, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer, puis on va prendre qu'est-ce qui est le plus approprié. Un exemple bien simple, c'est si on veut faire une recette en cuisine et que j'ai besoin de mesurer une certaine masse de beurre. Ben, je pourrais toujours aller dans la salle de bain puis aller chercher cette balance-là dans la salle de bain puis prendre ça pour mesurer mon beurre. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce que si je regarde les graduations, par exemple pour passer de 20 jusqu'à 25, j'ai 5 lignes. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, chaque ligne vaut 1 kg. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre mon beurre là-dessus, puis là, là ben, ça va me dire Ah oh, ben, t'es comme 1 kg de beurre ou 2 kg de beurre ou quelque part entre 1 et 2 kg de beurre, mais c'est pas super précis. Donc, ça va être préférable de changer d'appareil, une autre balance, mais celle-là va être plus appropriée aux petites masses. Parce que, par exemple, ici, pour passer de 100 grammes à 200 grammes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 lignes, je fais 10 bons. Ça prend 10 bons pour faire 100 grammes. Ça veut dire que chaque bon, chaque graduation, chaque incrément vaut 10 grammes. Donc, cette balance-là va pouvoir me dire Ah, ben, tu as 130 grammes de beurre ou 140 grammes de beurre. Peut-être entre les deux, entre 130 et 140. Donc, ce ne sera pas précis tant que ça, mais c'est quand même plus précis que l'autre que j'avais dans ma salle de bain. Donc, il faut faire le bon choix. Dans ce cas-ci, le meilleur choix serait une petite balance comme ça. Dans d'autres situations, ça leur aurait été plus approprié de peser avec l'autre la, balance de salle de bain. Si moi, je veux connaître ma masse, je ne vais pas m'asseoir sur cette balance-là, je vais la briser parce que je pèse plus que 2 kg. Donc, c'est sûr que ça ne serait pas une bonne idée. Il faut faire le bon choix. C'est la même chose pour quand on veut mesurer tout simplement... Euh, une, une, la longueur de quelque chose, donc la longueur d'un crayon ici Je pourrais prendre une règle qui est mesurée à toutes les 10 cm. Donc, je sais que mon crayon a une longueur qui est quelque part entre 20 et 30 cm. C'est pas super précis, par exemple. Euh, je suis pas capable de dire si c'est exactement 21, 22, 27, 29, je sais pas. Ma règle ne me le permet pas. Fait que je vais dire « Bon, c'est environ 25 cm et là, va falloir que j'aille entre les deux. » Mais j'aurai la possibilité de tout simplement changer de règle. Allons chercher une règle qui va être plus précise, donc qui va avoir plus de graduation, et je vais mesurer la longueur du même crayon. Et là, sur le même crayon, maintenant, je vais être capable de dire, oh, regarde, la longueur du crayon est maintenant entre 25 et 30 fait que j'ai plus de précision. Quelque part entre 25 et 30, bon, je pourrais dire 27 et demi parce que c'est exactement le milieu entre 25 et 30. La règle ne me permet pas d'être plus précise que ça. Ça ne pourrait pas dire si c'est 26 ou si c'est 29 parce que c'est 25 et 30 qui sont mes graduations. Donc entre les deux, bien, c'est 27 et demi. Mais j'ai la possibilité d'aller chercher une autre règle qui est plus précise. Et cette règle-là va être mesurée à toutes les 1 cm. Donc le même crayon va mesurer cette fois un petit peu ici entre les deux, donc entre 28 et 29. Donc là, je pourrais décider que c'est 28,5 ou peut-être 29 ou peut-être 28, mais c'est quelque part dans cette région-là. C'est le même crayon. La longueur du crayon n'a pas changé. C'est l'appareil de mesure que j'ai changé. Donc la précision de l'appareil dépend de l'appareil il ne dépend pas de l'objet que j'ai mesuré. Encore faut-il que cet appareil-là soit calibré correctement. Donc, il faut que mon appareil me donne une vraie lecture. Et pour ça, bien, il faut s'assurer que quand l'appareil est vide, ben, il dit vraiment qu'il est vide, il dit qu'il est zéro. Par exemple, si j'ai une balance ici qui a rien dessus puis qu'elle me dit 47 grammes, Bien là, c'est parce que cette balance-là a besoin d'être recalibrée. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre ici un bouton de tard. On l'a utilisé ce, ce bouton-là en laboratoire et on sait que ça va la remettre à zéro. Puis là, je peux mesurer l'objet. Et si vous utilisez la balance de quelqu'un d'autre, et là tu te rends compte que quand tu mets ton objet dessus, ça indique zéro, bien tu sais très bien que ton objet, il ne pèse pas zéro. Là. Donc il va falloir que tu enlèves ton objet, que tu retards et après ça, tu remets ton objet. Donc c'est important que tu utilises l'appareil de la bonne façon. Mais pas juste les balances, d'autres appareils aussi. Des règles, des fois, le zéro, il n'est pas au début de la règle. Donc, tu peux avoir un petit bout de plastique qui dépasse, et si tu mets ton crayon sur le petit bout de plastique qui dépasse, tu n'as pas mis ton crayon sur le zéro. Fait que c'est pas une bonne idée de faire ça, il faut que tu t'arranges pour le faire comme il faut, là. Euh, même chose pour euh, un dynamomètre, on va utiliser ça plus en physique, mais dans un dynamomètre, on va suspendre des objets pour calculer leur poids ou leur masse, mais. Souvent plus pour leur poids. Et quand j'ai rien de suspendu sur le dynamomètre, il ben, faut qu'ils me disent qu'il n'y a rien de suspendu au dynamomètre. Dans ce cas-ci, on voit que la ligne de zéro qui est ici, le curseur, aurait dû être égale à zéro, et ce qui n'est pas le cas. Donc, il va falloir ajuster cet appareil-là avant de l'utiliser. Une autre erreur, ça pourrait être d'utiliser un cylindre gradué qu'on a lavé. Mais on n'a pas bien séché, fait qu'il y a encore des petites gouttes d'eau qui restent dans le fond, et ça, ça va influencer. Ça, c'est plus zéro s'il y a des gouttes d'eau dans le fond, donc ça va influencer la lecture qu'on va prendre. Fait que c'est important que nos appareils soient prêts à utiliser et qu'ils soient bien calibrés. Et une fois qu'on a fait ça, ben là, il va falloir qu'on détermine si l'appareil il est précis et s'il est exact. Donc c'est deux choses différentes. Il faut bien connaître la définition des deux mots. Un appareil qui est exact, ça veut dire qu'il va bien me donner la lecture attendue selon la valeur réelle connue. Alors qu'un appareil qui est précis, c'est quand il va avoir beaucoup de précision dans la lecture, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de décimales, beaucoup de chiffres après la virgule, beaucoup de chiffres significatifs. Un exemple de ça, ce sera avec un thermomètre. Donc, si j'utilise un thermomètre et que je le mets dans de l'eau bouillante, bien, de l'eau qui bouille, on sait que ça bouille à 100 degrés Celsius de l'eau. Donc, je m'attends à ce que mon thermomètre me dise 100 degrés Celsius puisque l'eau est en train de bouillir. Et là, je me rends compte qu'avec un thermomètre ordinaire, là, un thermomètre au mercure là, avec la petite ligne qui monte, là, bien, ça me donne 99,5 degrés Celsius. Ce qui est pas si tant mal, je veux dire, 99,5, 100 degrés, c'est quand même assez proche, fait que c'est assez exact, c'est quand même pas si pire, mais il y a quand même juste un chiffre après la virgule, fait que c'est pas super précis. Fait que là, j'ai dit, oh, ben, je vais aller chercher un thermomètre digital, fait que je vais aller chercher une sonde, et là, la sonde, elle me donne deux chiffres après la virgule, fait que c'est plus précis, mais 98, c'est plus loin de 100, donc c'est moins exact. Fait que dans ce cas-ci, le thermomètre au mercure, il va avoir une valeur plus exacte parce qu'il est plus proche du 100 degrés Celsius de l'eau bouillante. Mais la sonde digitale, elle est plus précise parce qu'elle a deux décimales, elle a deux chiffres après la virgule, alors que celui au mercure, il y en a juste un. Fait que faut faire les bons choix d'appareils. Évidemment qu'on on viserait à utiliser un appareil qui a la meilleure exactitude et la meilleure précision. Alors, il y aurait comme quatre Catégorie d'appareils de mesure. On a des appareils de mesure qui auraient une faible précision et une faible exactitude. Donc, quand je prends des mesures, c'est comme all over the place, il n'y a rien qui matche. il n'y a pas de, 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 de mode ou de moyenne qui en rapport. C'est comme tout partout. là. Euh, je pourrais avoir un autre appareil de mesure qui, lui, est vraiment euh, exact, mais qui n'a pas beaucoup de précision. Donc, ça, c'était notre thermomètre au mercure tantôt. On avait une Proche du 100 degrés Celsius, là, toutes les valeurs lues, là, le 99.5, et peut-être qu'on a eu 100.5, ou peut-être qu'on a eu 100.0, ou peut-être. Donc, on était tous dans le bout du 100, mais c'était juste un chiffre après la virgule, fait que c'était pas super précis, par exemple. Et l'autre catégorie, c'est un appareil qui aurait euh, une mauvaise exactitude mais une bonne précision. Comme notre sonde de tantôt, la sonde digitale nous a dit 98.15 degrés Celsius. C'est bon, c'est deux chiffres après la virgule, c'est très précis. Mais 98, c'est loin du 100 degrés Celsius de l'eau qui bouille. Donc on est loin du 100, fait que c'est pas très exact, mais les points sont tous regroupés ensemble, ça ça veut dire que c'est quand même assez précis. Et le but, évidemment, c'est de trouver un appareil qui va avoir une haute précision et une haute exactitude. C'est pas toujours possible, euh, surtout parce que c'est pas toujours la faute de l'appareil. Des fois, ça va être de ma faute à moi. Euh, des fois, ça va être la faute de mon protocole. Des fois, ça va être fait qu'il a jamais aucune expérience qui est parfaite en science. Les sciences expérimentales, il y a toujours des imprécisions et il faut apprendre à vivre avec il y a des erreurs qu'on est euh, capable de de observer de dire ah oui j'ai fait ça de pas correct donc je vais pouvoir changer mon protocole euh, les erreurs systématiques c'est des erreurs qui sont au niveau de la préparation de l'expérience fait que je me suis trompé quand j'ai préparé mon expérience j'ai j'ai mal fait une étape fait que je vais avoir un écart qui va toujours être le même donc toujours un petit peu trop haut ou toujours un petit peu trop bas parce que par exemple dans le dynamomètre tantôt j'avais pas ajusté à zéro fait que ma valeur que j'ai lue est toujours trop petite de exactement 0,8 newton euh, parce que c'est de ma faute j'avais pas bien la, pris la peine de bien ajuster mon dynamomètre fait que ça va toujours être 0,8 newton trop petit ça serait un exemple d'erreur systématique. Donc, l'erreur systématique va toujours être plus élevée de la même quantité ou plus faible que la même quantité. Euh, un autre exemple, donc l'étalonnage, je viens de le dire, mais un autre exemple, ça serait euh, en physique, en chimie dose. Quand tu vas faire l'expérience sur la calorimétrie, bien, ça se peut que tu n'aies pas bien isolé ton contenant puis tu as eu des pertes de chaleur. Donc tu vas toujours avoir des pertes de chaleur, ça veut dire que qu'est-ce que tu vas mesurer va avoir été plus froid que qu'est-ce que tu pensais parce qu'il y a des pertes de chaleur qui euh, sont parties. Donc ça c'est une erreur systématique. Une autre façon de faire des erreurs, c'est si tu ne lis pas le cylindre gradué comme il faut. Donc il faut toujours placer son œil égal avec le ménisque. Si on se met trop haut, ou trop bas, il va avoir une parallaxe puis on verra pas la bonne mesure. Donc ça c'est des erreurs de systématique, qu'on peut corriger. Une fois qu'on a ciblé la source de l'erreur, on peut corriger. c'est pour ça que, donc, on fait des laboratoires, je te demande toujours de faire la liste des sources d'erreurs et de donner des solutions pour les minimiser. C'est justement pour minimiser les sources d'erreurs systématiques. Mais il y a aussi des erreurs aléatoires. Et les erreurs aléatoires, c'est parce que l'appareil n'est pas assez précis. Donc, c'est... Euh, il deux façons de corriger ça, soit tu changes d'appareil, puis tu vas en chercher un qui est plus précis. Okay. Mais si tu ne peux pas, tu es, es stock avec cet appareil-là, ben, tu vas tout simplement minimiser l'erreur en répétant l'expérience plusieurs fois et en faisant une moyenne. Et tantôt, on va apprendre comment calculer des moyennes. Donc, ça, c'est des erreurs aléatoires et ça, c'est la faute de l'instrument. Ce n'est pas de ta faute à toi, c'est la faute de l'instrument. Mais il faut encore trouver des moyens de les minimiser. Dans une erreur aléatoire, donc euh, l'exemple qu'on a fait en classe, c'est avec la règle où tu devras, euh, où tu as, euh, laisser tomber la règle et ton ami devait l'attraper et ça, ça mesurait les réflexes. Euh, L'autre façon de le faire, c'est avec une app comme ça où tu dois cliquer sur stop dès que tu vois la lumière qui change de couleur et là, ça va donner ton temps de réflexe. Dans tous les cas, en le faisant plusieurs fois, ça nous permet de minimiser l'erreur aléatoire puisqu'on va pouvoir faire une moyenne. Comment est-ce qu'on va faire pour les connaître les limites de l'instrument Ben, il y a plusieurs façons. Première façon, c'est de regarder quest ce que le fabricant a décidé. Donc, certains instruments vont venir avec une fiche signalétique. Et sur cette fiche-là, il y a beaucoup d'informations. Euh, entre autres, il va y avoir l'information de par exemple, si c'est pour une balance, euh, la masse maximale que la balance peut supporter et la masse minimale. Et ici, on a l'exactitude qui nous dit que c'est une exactitude de 1 gramme. Donc cette balance-là serait précise au 1 gramme. Donc ça veut dire que. Ça va être capable de mesurer une masse de 6 grammes ou de 7 grammes, mais pas de 6,2 grammes. C'est pas assez précis pour pouvoir faire ça. Si la précision n'est pas indiquée sur l'appareil de mesure, ce qui va être le cas la plupart du temps des, sur des appareils qui ont des graduations, que ce soit une règle ou un cylindre gradué ou un dynamomètre ou un thermomètre, ou plutôt qui va avoir des lignes pour faire des graduations, alors l'incertitude va être la moitié de la plus petite division. Donc sur cette règle-là ici, qui est mesurée à tous les centimètres, 5 cm, 6 cm, ça veut dire que de 5 à la ligne ici, c'est 5.5. Donc ici, j'ai un point 5 cm, donc un 5 mm ici. Ça veut dire que chaque petite ligne vaut 1 mm. Donc, les incréments de cette règle-là, chaque graduation vaut 1 mm. Bien, la précision de cette règle-là serait la moitié de la plus petite division. Et la moitié de 1 mm, c'est 1 demi-mm. Donc, ça, c'est comment qu'on va déterminer l'exact... Le l'incertitude d'un appareil qui a des graduations. Une fois qu'on a déterminé l'incertitude des appareils de mesure, ben, il va nous rester à l'exprimer cette incertitude-là, à l'écrire dans notre tableau de résultats ou dans notre prise de mesure. Il va falloir qu'on l'indique cette précision-là de l'appareil qu'on a choisi. Donc, il y a deux façons de le faire. D'abord, l'incertitude absolue, c'est tout simplement ce que j'ai lu sur la règle. Donc, c'est la moitié de la plus petite division. Et on va utiliser le symbole plus ou moins pour séparer la vraie valeur que j'ai lue de l'incertitude de l'appareil. Il va toujours falloir s'arranger pour que le nombre de décimales de la valeur lue corresponde au nombre de décimales de l'incertitude. Et on va évidemment racheter les unités à la fin. Donc un exemple de ça, si on va prendre une balance puis que la balance me dit 25, Bien, il va falloir que, et la, la précision de la balance était un demi-gramme. à cause que j'ai un chiffre après la virgule dans l'incertitude, je vais devoir mettre un chiffre après la virgule dans la valeur que j'ai lue, même si c'est un zéro. C'est important de le mettre parce que ça indique que c'est exactement 25,0. Ça indique que je vais pas. 24.8 puis j'ai décidé d'arrondir ou que j'avais pas 25.3 puis j'ai décidé d'arrondir ça indique que j'avais exactement 25.0 et que le 0 qui est là va être important mais le 0.5 qui est ici me dit que l'appareil n'était pas super précis et que peut-être le 25 que j'ai lu était un petit peu plus bas de 1 demi-gramme ou était un petit peu plus haut que 1,5 demi-gramme, fait que la vraie masse aurait pu être quelque part entre 24,5 et 25,5 à cause de l'incertitude de l'appareil. Donc le plus ou moins 0,5 g, c'est ça qu'on va appeler l'incertitude absolue. Et l'incertitude absolue dépend de l'appareil. Donc ça va être la moitié de la plus petite graduation pour un appareil qui a des graduations ou selon la fiche signalétique de l'appareil que j'ai acheté. Fait qu'il ne faut pas que l'incertitude soit plus précise que la, ma la, la mesure. Ça va être important que le nombre de chiffres significatifs, ou le nombre de décimales, pardon, fit avec l'incertitude. Donc si je regarde ici le cylindre gradué, ben on a 1 millilitre... Ici, donc 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ça, ça veut dire que chaque petite partie entre les deux ici, ça vaut 1 demi millilitre. Donc, si mon incrément est 1 demi millilitre, ça veut dire que la moitié de 1 demi, c'est 1 quart. Donc l'incertitude va être 0.25 millilitres. Donc la mesure que j'ai lue, ça va être 20, 21, 22, 23, le bas du ménisque, Donc 23 millilitres. Plus ou moins 0,25. Mais vu que j'ai deux chiffres après la virgule dans mon incertitude, je dois absolument mettre deux chiffres après la virgule dans ma lecture aussi. Donc, mon incertitude ne peut pas être plus précise que la mesure, mais le contraire est vrai. La mesure ne peut pas être plus précise que l'incertitude non plus. Donc, dans cet exemple d'en permettre, euh, il est plus difficile celui-là. Peut-être que tu devrais peser sur pause et essayer de trouver l'incrément par toi tout seul. Euh, si tu l'essayes comme il faut, tu vas te rendre compte que de 0 à 0,2, donc on a augmenté de 0.2 ampères, et pour faire ça, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 5 bons pour faire 0.2 ampères. Ça veut dire que chaque bon vaut 0,04 ampères. Donc ça veut dire que cette ligne-là vaut 0,04, cette ligne-là 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, ça fonctionne. Mais ma lecture est tout à l'autre bout ici, là. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut ma lecture? Ben, je sais que les incréments sont de 0.04. Donc, ça, c'est mon incrément. Donc, je sais que la ligne qui est ici, 0.6. La petite ligne qui est en avant ici, c'est 0.04 de moins, donc 0.56. L'autre ligne qui est ici, c'est 0.04 de moins, donc 0,52. Mon aiguille est quelque part entre le 52 et le 56. Donc là, il faut que je décide. Qu'est-ce que je fais avec ma lecture? Combien d'ampères est-ce que j'ai lu pour vrai? l'incertitude est la moitié de la plus petite division donc 0,02 ampère va être mon incertitude ça ça veut dire que ma lecture va être soit 0,52 soit 0,56 ou 0,54 je ne peux pas choisir que la lecture soit 0.53 ou 0.55, Parce que mon incertitude est de 0,02 ampères. Donc, il faut que la lecture soit un multiple de l'incertitude. Fait qu'il faut choisir. Est-ce que ça va être 0.52, 0.56, ou exactement dans le milieu entre 52 et 56, c'est-à-dire 54? Moi, je choisis 54. Donc, je vais aller mettre 54 ici et le 0,02 ampères. Donc, il faut que ça fitte dans un sens et dans l'autre. Fait que l'incertitude ne peut pas être plus précise que la lecture et la lecture ne peut pas être plus précise que l'incertitude. Alors, si on reprend notre exemple du crayon de tantôt, le crayon qui est lu avec la première règle, on avait dit que c'était quelque part entre 20 et 30. Donc, maintenant, je vais aller chercher mon incrément. Mon incrément est de 10 cm. Ça veut dire que l'incertitude, ça va être plus ou moins 5. Donc, moi, je vais choisir que c'est entre les deux. Je ne peux pas être plus précis que la règle. Donc je vais choisir 25 et plus ou moins 5 cm. Donc il faut absolument que mon, ma lecture soit un multiple de l'incertitude. Si je change de règle mais que je mesure le même crayon, cette fois je suis rendu entre cette ligne et cette ligne, celle-là c'est 30, celle-là c'est 25. Donc je sais que mon crayon va être entre 25 et 30 cm, mes incréments sont quoi Ben la plus petite division c'est entre celle-ci et celle-ci, donc c'est 5 cm. La moitié de la plus petite division, c'est 2,5, donc plus ou moins 2,5. Ça veut dire que la lecture 27,5, plus ou moins 2,5. Tu remarques que j'ai mis, évidemment, les chiffres après la virgule qui fit. Et 27,5, c'est un multiple de 2,5, alors je suis correct. Je change de règle. Troisième crayon, ici. Maintenant, j'arrive, on avait dit, entre 28 et 29, à peu près. Donc 28 et 29. Et cette fois, c'est quoi l'incertitude? Bien, chaque ligne vaut 1 cm. Donc l'incertitude vaut un demi-centimètre. La lecture va être 28 et 29, donc 28.5, plus ou moins 0.5 cm. La lecture est un multiple de l'incertitude. Et la lecture a le même nombre de décimales que l'incertitude. Ça, c'est la façon que tu devras procéder pour prendre les mesures expérimentales en laboratoire. Toujours ajouter l'erreur absolue. Euh, quand ça va être un appareil gradué comme un cylindre gradué ou un thermomètre, ça va bien aller, il n'y en aura pas de problème. Mais si c'est digital, un appareil digital comme les balances digitales ou comme les sondes qu'on va utiliser pour euh, quand on va faire les concentrations, donc quand c'est un appareil digital, ben, on va juste prendre une unité. On ne va pas aller chercher la moitié pour un appareil digital. Ça va être juste une unité de la plus petite graduation. Donc, par exemple, dans cette voiture, ils ont mis une vitesse digitale, donc 58 000 à l'heure, hein, MPH, des 1000 à l'heure. Donc, ça veut dire que l'incertitude sur le 58, ça va être 58 plus ou moins 1. C'est un ordinateur qui fait la lecture, c'est pas moi. Et la précision d'un appareil digital, c'est exactement un du plus petit. C'est plus la moitié. C'est juste un quand c'est digital. Même chose quand la valeur est tirée d'un document de référence. Donc, dans un livre, ben, la certitude, ça va être juste une unité sur le dernier chiffre. Ce qui est le cas, par exemple, pour un tableau périodique. Donc, quand on a calculé nos masses molaires, il ben, faut qu'on calcule les masses molaires avec les incertitudes maintenant. Allons voir de quoi ça a l'air. Donc, j'ai deux tableaux périodiques différents. Dans ce tableau périodique-là, on voit beaucoup de chiffres après la virgule, alors qu'ici, il y en a beaucoup moins. Donc, si on se concentre sur l'iode, dans les deux cas, c'est 126, 126, ça va, mais l'incertitude absolue dépend du tableau périodique que j'ai choisi. Donc, ici, le 126.90447, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule dans ma lecture. Ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Chiffre après la virgule, et c'est un 1 que je mets là pour mon incertitude absolue, ce n'est pas la moitié de la plus petite division. Quand c'est une valeur tirée d'un livre de référence, c'est pas la moitié de la plus petite division. Pour ce tableau périodique-là ici qui a moins de précision, la valeur est seulement 126.9, et là j'ai seulement un chiffre après la virgule ici, alors seulement un chiffre après virgule dans l'incertitude absolue. Donc, l'incertitude absolue dépend de l'appareil qui a été utilisé. Dans l'incertitude relative, ça va dépendre de l'appareil qui a été utilisé, mais aussi ça va dépendre de l'objet qui a été mesuré, parce que cette incertitude-là ne représente pas la même proportion d'un petit objet ou d'un gros objet. Fait que le même appareil va toujours avoir la même erreur absolue, mais cette erreur absolue-là n'aura pas toujours le même impact si je fais la lecture sur un petit objet ou un gros objet. Par exemple, notre règle. Une règle va, pourrait avoir une incertitude de 0,5 cm. Puis peu importe qu ce que je mesure, ça va toujours être 0,5 cm. Mais ce petit 0,5 cm-là, N'a pas beaucoup d'importance si je suis en train de mesurer la longueur de la classe ou la longueur d'un livre, mais 0,5 cm, si je mesure la longueur d'une efface ou si je mesure la longueur d'un nez, là, ça va avoir un impact. Donc, ça, ça va être l'erreur relative, l'incertitude relative qui va nous permettre de déterminer si cet impact-là est grand ou pas. Deux exemples numériques pour bien comprendre comment on passe au calcul de l'incertitude relative. Donc, toujours le livre et l'efface. Le livre a une longueur de 16,7 cm alors que l'efface a une longueur de 3,2 cm. Ces deux, deux objets-là ont été mesurés en utilisant le même appareil, la même règle. Donc c'est pour ça qu'on a le même 0,5 cm euh, pour le livre et plus ou moins 0,5 aussi pour l'efface. Le 0.5 cm sur le livre n'aura pas un gros impact parce que je vais avoir 0.5 divisé par 16.7, ce qui me fait seulement une erreur relative de 3%. Donc le 16.70 cm, plus ou moins 3%, c'est pas beaucoup. Mais le même 0.5 cm d'erreur sur les faces, va avoir un plus gros impact parce que 0.5 sur 3.2, c'est une plus grosse proportion et ça me donne 16 cm. Donc le 3.2 cm plus ou moins 16 pardon, 16 va me donner l'erreur relative. C'est le même 0.5 cm qui a été mesuré avec la même règle, mais parce que la règle... A été utilisé sur un petit objet et un gros objet, la même erreur de 0,5 cm représente seulement une petite proportion du livre mais de 3 mais représente une plus grosse proportion de l'efface, 16 fait que Ça va être une plus grosse erreur d'utiliser cette règle-là pour mesurer la longueur des faces que pour mesurer la longueur du livre. Ça voudrait simplement dire que peut-être je serais mieux de changer l'appareil de mesure pour l'efface parce que 16 c'est beaucoup. OK, maintenant qu'on a fait toutes ces mesures-là, on est prêt à essayer de faire des calculs avec les incertitudes. Pour les additions et les soustractions, on va utiliser les erreurs absolues. Et peu importe si j'additionne ou si je soustrais des mesures expérimentales, les erreurs vont toujours être ajoutées. Dans le cas des additions et des soustractions, on va ajouter les erreurs absolues. Donc, si on fait un exemple où on doit mesurer un changement de volume, ben, on va prendre le volume au début, le volume à la fin, on va les soustraire ensemble, mais l'erreur vient d'être doublée parce que j'ai comme fait... Une erreur deux fois. J'ai mesuré une première fois quand j'ai fait mon volume du début. J'ai mesuré une deuxième fois quand j'ai fait mon volume à la fin. Alors, si je me suis fait une erreur, si je me suis trompé la première fois et que je me suis trompé la deuxième fois, il va falloir que j'ajoute mes erreurs absolues ensemble. Donc, l'incertitude du changement va être la somme des erreurs. Et dans ce cas-ci, ça va être la somme des erreurs absolues. Alors, faisons-le cet exemple numérique-là avec un cylindre gradué et je veux savoir combien de liquides que j'ai ajouté dans un cylindre. Donc, au début, dans mon cylindre, j'avais cette quantité de liquide-là, quelque part entre 11 et 12. Donc, je vais dire que c'est 11,5. L'incertitude, ça va être quoi? Dans 11 à 12, le petit incrément, c'est 1 millilitre. Donc, ça va être plus ou moins 1 demi-millilitre, la moitié de la plus petite graduation. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rajouter du euh, liquide et ça va m'amener jusque-là. Donc, cette fois, c'est entre 13 et 14, mais moi, je trouve que c'est plus proche de 14, par exemple. Fait que je vais le mettre à 14 et mon incertitude n'a pas changé, c'est encore plus ou moins 0,5. Ça veut juste dire que ça va être Peut-être un petit peu en bas de 14, comme on peut le voir. Hein, c'est un petit peu en bas de 14. Donc, ça va être un petit peu en bas de 14. Donc, peut-être 13.5. Mais dans le fond, peut-être que j'ai mal placé mon œil. J'étais trop haute ou trop basse. Fait que peut-être aussi que c'était euh, 14.5. Donc, c'est quelque part dans ce range-là qui est ma lecture. Donc, quelque part entre 13.5 et 14.5. Alors, combien de liquide que j'ai ajouté? Donc on va faire la différence du volume. Une différence, ça veut dire une soustraction. Alors on va prendre le plus grand, le plus petit, et on va les soustraire ensemble. Donc pour le 13 moins le 11.5, ça c'est facile, ça donne 2.5. Fait que c'est sûr que la réponse va être 2.5 plus ou moins quelque chose. Mais plus ou moins quoi mais dans une soustraction, on doit toujours ajouter ensemble les erreurs absolues. Donc le 0.5 ml de la première fois et le 0.5 ml de la deuxième fois vont s'ajouter ensemble pour faire que mon erreur va être plus ou moins 1 ml. Donc la différence de volume, ça va être 2.5 plus ou moins 1 ml. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'étais trompé au début et que ma lecture était en fait ici, et je me suis trompé à la fin et la lecture était ici. Bien, peut-être que finalement, ma différence, elle est seulement de 1,5 millilitres. Mais peut-être qu'au contraire, je m'étais trompé et ma lecture au début était ici, puis ma lecture à la fin était ici. Donc, cette fois, ma différence va être 3,5. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, ça m'indique que je me suis trompé deux fois et que ces erreurs-là ont pu s'additionner, se, se, ont pu se, se, se combiner ensemble pour faire une erreur encore plus grande. Donc ça, c'est la première façon qu'on doit utiliser les incertitudes. On doit ajouter les incertitudes absolues quand on fait des additions et des soustractions. Pour les IB, et les IB seulement, vous devez savoir comment calculer des moyennes. Donc quand on va faire plusieurs fois la même mesure pour minimiser une erreur aléatoire, ben, il va falloir que chaque mesure... Ben, qui a son incertitude absolue, il va falloir que chaque mesure soit additionnée ensemble, divisée par le nombre pour trouver la moyenne. Mais qu'est-ce que je fais avec les erreurs absolues? Pour le calcul de moyenne, ça, c'est correct, ça ne change pas. On va les additionner ensemble et on divise par le nombre de valeurs. Ça, c'est facile. Mais pour trouver l'incertitude de la réponse, ce qu'il va falloir qu'on aille faire, c'est qu'on aille chercher la plus petite lecture dans toute notre range de données. Et aussi la plus grande, et c'est ces deux valeurs-là qui vont nous permettre de trouver l'incertitude. On va aller chercher la plus petite, puis on va y enlever son incertitude. On va aller chercher la plus grande, puis on va y ajouter son incertitude, et c'est ça qui va nous donner le range de l'incertitude de la réponse. On va faire un exemple. J'espère que ça va t'aider à comprendre. Donc, dans un exemple où on aurait pris cinq temps de réflexe, les cinq temps de réflexe ont été donnés ici. Donc ça, c'est une app qui me donnait ça sur Internet. Et 0.272, 0.314, donc la app me donnait juste ça. Et si j'ai une, deux, trois chiffres après la virgule, bien, ça veut dire que euh, je vais aller chercher le chronomètre qui est digital. Et donc, ça ne sera pas la moitié parce que c'est digital. Donc, ça va être juste trois chiffres après la virgule, 0,001. Donc, ça, c'est mes incertitudes pour chacune des valeurs. Pour calculer la moyenne, ben ça c'est facile. Hein? 0.272 plus 314 plus 442 plus 293 plus 299 et je divise ça par 5. Et donc, calculer une moyenne, ça va me donner ça. Cette moyenne-là, maintenant, il faut que je donne son incertitude. Ça ne peut pas être la réponse finale. Il me faut l'incertitude sur le 0.324. Comment est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la valeur la plus petite. La valeur la plus petite, elle est où? De 9, 2, 9, 4, et ici. Ça, c'est la valeur la plus petite. Donc, on va aller chercher la valeur la plus petite et on va lui enlever son incertitude. 272 7, 2, moins 0, Donc, ça, ça va me donner la valeur la plus petite de toutes les expériences que j'ai faites. La valeur la plus grande maintenant, la valeur la plus grande, 314, 442, c'est 442 qui est la plus grande. Et cette fois, je vais lui ajouter l'incertitude. Donc, ça va me donner 443 pour la valeur la plus grande. Et donc, ça veut dire que de toutes mes expériences, mon temps de réflexe le plus lent aurait été 0.443 secondes. Pour trouver c'est quoi l'incertitude, je vais aller chercher l'intervalle entre ça et ça. Donc l'intervalle me dit 0.172. Ça veut dire que le 324 que j'ai calculé ici, ce 324 là, ben, je me suis trompée, jusqu'à 0,172, soit plus petit soit plus grand. Donc le range c'est 0,172. Fait au milieu, je mets mon 324, fait peut-être que ça a été plus bas que 324, peut-être que ça a été plus haut que 324. Le 172 c'est de là jusque là. Donc en réalité, tout ce que je fais c'est prendre la moitié. 0.172 divisé par 2, bien la moitié de ça, ça va me faire descendre jusqu'à 238, et la moitié augmentée, ça va me faire monter jusqu'à 410. Alors, ici, ce que j'ai, c'est que l'incertitude, 0.172 divisé par 2, c'est 0,086. Et c'est ça qui va me donner que la réponse à la fin, ça va être 0,324, plus ou moins 0,086, que j'ai trouvé en faisant le 0.172 divisé par 2. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour que les IB puissent calculer l'incertitude sur une moyenne. Pour les multiplications et les divisions maintenant, là, ça devient plus difficile parce qu'il faut tenir compte de l'erreur relative et pas absolue. Il faut continuer à toujours ajouter les erreurs ensemble, mais cette fois, c'est les erreurs relatives qu'on va ajouter ensemble. Donc, dans cet exemple, on pourrait faire un calcul de masse volumique. Je pense que tu fais ça en huitième, peut-être septième ou huitième année. Donc, déterminer la masse volumique, il faut prendre la masse, puis on divise par le volume. Donc, c'est une division. Fait que pour faire la division, ça, ça va, tu prends ta calculatrice, mais pour l'incertitude, il va falloir que tu prennes les incertitudes relatives de chaque mesure et que tu les ajoutes ensemble. Donc là, il va falloir qu'on fasse notre première étape qui va être de transformer les incertitudes absolues en incertitudes relatives. Alors, faisons un exemple où la masse du liquide que j'aurais calculé, ça aurait été 22 plus ou moins 1 g sur la balance. Donc, première étape, c'est de transformer ce plus ou moins 1 g ici en pourcentage. Donc, 1 divisé par 22, ben, multiplié par 100 parce que je le veux en pourcent. Donc, ça veut dire que ça me dit que c'est 22 plus ou moins 4,5 Maintenant, ma valeur expérimentale pour le volume du liquide, c'est 28,2 millilitres, plus ou moins 1 dixième. Donc, il faut que j'aille transformer ce 1 dixième-là en pourcentage. 0,1 divisé par 28,2 fois 100, parce que je le veux en pourcent, ça me fait 0,4%. Donc, le 28,2 devient plus ou moins 0,4%. Maintenant, je vais calculer la masse volumique. La masse volumique, c'est masse divisée par volume. Donc, masse, elle est ici. Volume est ici. Je les divise ensemble. 22 divisé par 28,2. Ça, c'est correct, je prends ma calculatrice, ça me donne 0,78, mais les erreurs relatives doivent être ajoutées ensemble. À chaque fois que je fais une mesure, je rajoute de l'imprécision, je rajoute des erreurs expérimentales. Donc, je dois ajouter ensemble les erreurs relatives, donc 4.9 Fait que la réponse pourrait être 0,78 g par millilitre, plus ou moins 4,9 Mais moi, je n'ai aucune idée, c'est combien 4,9 quand je vais faire mes... quand je vais vouloir imaginer ça dans ma tête, quand je vais vouloir visualiser si c'est combien de millilitres, bien, je ne sais pas. Donc, il faut qu'on reconvertisse ce 4,9 %-là en erreur absolue. Donc, 4,9 de 0,78, c'est combien 4,9%, il va falloir qu'on divise par 100. Le 2, c'est une multiplication, donc ça va me donner 0,03822. C'est trop de chiffres après la virgule, par exemple. Je ne peux pas laisser ça comme ça. J'avais juste deux chiffres après la virgule ici. Euh, en fait, c'est une division il va qu'on regarde les chiffres significatifs. On va y revenir plus tard. Euh, mais ma réponse finale, juste pour l'instant 0,78 g par millilitre, plus ou moins 0,04. OK. Donc, quand on fait une division, en fait, en réalité, il faut qu'on parle de chiffres significatifs. Alors, allons-y, c'est quoi un chiffre significatif? Quand on veut additionner ou soustraire, on a seulement besoin de se préoccuper du nombre de décimales. Donc, une valeur calculée ne peut pas être plus précise que la valeur la moins précise en termes de nombre de décimales. Euh, la réponse à la fin, elle ne peut pas être plus précise que qu'est-ce que j'ai mesuré expérimentalement. Et là, on va regarder les nombres de. Chiffres décimaux à la fin, le nombre de, de décimales qu'on a à la fin. Donc, un exemple super simple pour ça, c'est si je prends ma calculatrice et j'additionne ensemble 7.939 plus 6.26 plus 1.11, bien, lui, il y a trois chiffres après la virgule, lui, il y a deux chiffres après la virgule, lui, il y a juste un chiffre après la virgule. Alors, même si ma calculatrice me dit 25.299, il faut que j'arrondisse. Et j'arrondis où? Bien parce que mon moins précis, c'est lui avec un chiffre après la virgule. Je dois arrondir ici à un chiffre après la virgule. C'est pour ça que la réponse est 25.3. Donc, pour additionner et soustraire, c'est assez simple. Mais, quand on va vouloir multiplier et diviser, il faut qu'on parle de chiffres significatifs. Alors, c'est quoi un chiffre significatif? C'est un chiffre qui nous donne une information importante sur la mesure qui a été prise. Fait que tous les chiffres vont être significatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est tout significatif. Fait que ça, c'est facile. Fait que euh, dans 613, bien, il y a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Dans 123 456, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 significatifs. Ça, ça va. Le problème, c'est les zéros. Parce que des fois, le zéro, il veut dire quelque chose, puis des fois, le zéro, il est juste là pour euh, déplacer les autres chiffres. En anglais, il appellent ça des « placeholders ». Donc, quand est-ce que les zéros vont être significatifs? Premièrement, si on a un zéro qui est en sandwich en des chiffres significatifs, ces zéros-là aussi vont être significatifs. Donc, dans 5004, le 5 est significatif parce que c'est 5. Le 4 est significatif parce que c'est 4. Fait que les zéros qui sont là veulent dire quelque chose. Si je les enlève, ben je remonte ça avec 54, ça n'a pas rapport 54 puis ce c'est pas pareil, fait que ces zéros là sont super importants. Le 4 me dit que 4 unités, le 0 me dit que 0 dizaines, le 0 me dit que 0 centaines, le 5 me dit que 5 milliers. Tous ces chiffres là sont importants, Tous ces chiffres là ont une signification. Alors il y a 4 chiffres significatifs. Même chose pour le 602, le 0 il est en sandwich entre le 6 et le 2, alors il y a 3 chiffres significatifs ici. Dans ce gros chiffre là. Ben, il y a un paquet de zéros, mais à cause qu'il y a un 2 à la fin, bien, le 2 est significatif, le 6 significatif, alors il faut que je les compte. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Alors il y a 16 chiffres significatifs là-dedans. Ça, c'est le facile. Les deux autres règles. La règle suivante, c'est au sujet des zéros qui vont être à droite. Les zéros à droite vont être significatifs seulement s'il y a une décimale dans la, dans la valeur. Donc, dans 5.640, le zéro qui est là, il est important. Il me dit que quand j'ai pris cette mesure-là, il y avait exactement 5 unités, il y avait exactement 6 dixièmes, exactement 4 centièmes et exactement 0 millième. Si je prends la peine de mettre un zéro là, ça veut dire que le zéro qui est là n'est pas un zéro arbitraire. Il veut dire quelque chose. Il me dit que. C'est pas parce que j'avais 39 puis que j'ai arrondi à 40. Non non, j'avais exactement 40. C'est ça qui me dit ce zéro là. Tandis que le zéro qui sont ici, ils me disent pas grand chose. Ils me disent que c'est 1,2 million, euh, mais ça aurait peut-être été 1 ,198 ,000 qui a été arrondi. Donc c'est pas c'est pas précis. C'est juste des placeholders qui vont appeler ça. Et même chose pour les zéros de gauche. Les zéros de gauche, ils ne sont juste pas significatifs. Ils font juste pousser les chiffres significatifs plus loin à leur bonne position. Fait que dans 456, il y a juste trois chiffres significatifs. Les zéros qui sont là, ils veulent rien dire. Il faut juste me dire en fait que le 4 qui est là, c'est un 4 millième. Euh, J'aurais pu aussi écrire 4,56 milli. Je ne sais pas quoi, le millimètre ou millilitre. Là. Mais c'est juste pour pousser les chiffres vers leur bonne position. Euh, même chose pour les, les gros, gros chiffres comme ça. Si c'est un paquet de zéro qui est en avant, ben c'est juste le 5 et le 2 qui sont significatifs. Alors, il y a juste deux chiffres significatifs. J'aurais même pu mettre la, la notation scientifique ici, 5.2 x 10 à la 24. Et pour les curieux parmi vous, euh, x10 à la 24, ça a un préfixe comme et Émilie. Le préfixe, c'est Yocto. Fait que ça aurait été 5.2 yocto, je sais pas, yoctomètre ou yocto ampère, je sais pas. Donc, il y, y a un préfixe pour ça. Donc, la règle va être que tous les chiffres sont significatifs s'ils ne sont pas zéros. Les zéros en sandwich sont significatifs. Les zéros à droite d'une virgule sont significatifs. Mais les zéros à gauche et les zéros à droite, s'il n'y a pas de virgule, ne sont pas significatifs. Parce que ces zéros-là, c'est juste des placeholders. Et la preuve, c'est qu'on peut transformer cette lecture-là en utilisant des préfixes ou en utilisant des notations scientifiques, ce qui vient d'enlever le, le, le questionnement de est-ce que c'est significatif ou pas. Ce qu'on ne pourrait pas faire ici avec les, les autres euh, qui sont là, là 5004, bon, on aurait 5,004 x 10 à la 3, on aura encore quatre chiffres significatifs. Donc ça, c'est nos sig figs, euh, signif chiffres significatifs. À l'anglais, c'est significant figures. Et dans cette feuille-là, ce que je te demande de faire, c'est de peser sur pause et d'essayer de te pratiquer à savoir combien ce qu'il y a de chiffres significatifs dans chacune des lectures. Fait que pèse sur pause et essaye. Ce que tu devrais avoir trouvé, c'est que pour le premier, il y en a trois, c'est facile. Mais pour le deuxième, il va en avoir quatre. Le zéro qui est là va être un chiffre significatif parce qu'il est à droite d'une virgule. Dans le 0.125, il y en a juste trois parce que les zéros en avant ne comptent jamais. Même s'il y en a plusieurs, celui-là, ça va être encore trois parce que les zéros avant ne comptent jamais, même quand il y en a beaucoup. Dans le 125 000 microgrammes, les zéros à droite ne comptent pas parce qu'il n'y a pas de décimale dans, dans ma lecture. Donc, ça va être juste les trois chiffres significatifs. Mais dans le suivant, c'est 125 000, Là, le virgule 0 qui est ici il est significatif. Alors, les zéros qui sont en sandwich entre les chiffres significatifs deviennent eux aussi significatifs, ce qui fait que je suis rendu à 7. Juste en rajoutant un virgule zéro, je suis de 3 à 7 chiffres significatifs. Pour les trois derniers, tous les chiffres sont significatifs. Donc, les zéros qui sont ici sont un sandwich, ça va, et ceux-là sont tous significatifs aussi. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va être capable de faire nos divisions, nos multiplications, parce que dans nos réponses à la fin, la réponse doit avoir le même nombre de chiffres significatifs. Que la valeur initiale qui en avait le moins. Donc là, c'est plus juste les chiffres après la virgule qui sont importants, c'est vraiment les chiffres significatifs. Fait que si tu prends ta calculatrice et tu ces opérations-là, 27.2 x 15.63 divisé par 1.841, la calculatrice se donne 230,9266. Mais je ne peux pas donner tout ça comme réponse. Ma réponse ne peut pas être plus précise que les valeurs expérimentales que j'ai obtenues dans mon laboratoire. Ici, j'ai trois chiffres significatifs. Ici, j'ai quatre chiffres significatifs. Ici aussi, j'ai quatre chiffres significatifs. Celui qui en a le moins, c'est trois, c'est ici. Alors, pour avoir trois chiffres significatifs, il va falloir que j'arrondisse 2, 3 et le virgule 9 va devenir 1. Donc, 231 va être la réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs tu remarqueras que ça n'a rien à voir avec le nombre de décimales ici j'avais une décimale là j'avais deux décimales là j'avais trois décimales et pourtant ici j'en ai zéro donc c'est pas le nombre de décimales qui est important ici c'est vraiment le nombre de chiffres significatifs alors même chose, prends calculat ta calculatrice et essaie les opérations qui sont ici et donne la réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs. Fais attention parce que des fois c'est des soustractions et des additions et des fois c'est des divisions et des multiplications et des fois c'est mélangé. Donc prends ton temps et paie sur pause pour faire les opérations. Ce que tu devrais en retrouver, ben, ta calculatrice ici, 10.3 moins tout ça, va donner 10.2 en réalité, parce que c'est une soustraction. Et il faut que j'aille voir les décimales. Ici, il y a seulement une décimale, là, il y en a cinq. Donc, un, c'est celle qui en a le moins. Ma réponse doit en avoir seulement une. Pour la division, cette fois, je regarde les chiffres significatifs. La réponse doit être 131 à trois chiffres significatifs parce que ici, j'ai trois chiffres significatifs. Donc, c'est pas le nombre de décimales, c'est une division, alors c'est les chiffres significatifs. Ici, j'ai une addition. Dans une addition, on va regarder les décimales. J'ai une décimale ici, j'en ai cinq là, donc il va falloir que j'arrondisse pour avoir seulement une décimale à la fin. Dans une multiplication, on regarde les chiffres significatifs. Donc j'ai trois chiffres significatifs ici, j'en ai quatre ici. Ça veut dire que ma réponse devra avoir seulement trois chiffres significatifs. Le premier qui est zéro ici n'est pas significatif, mais le zéro qui est là, lui, c'est un une sandwich. Donc lui, il est significatif. Donc 808, c'est trois chiffres significatifs. Maintenant, j'ai une division. Donc, je vais aller chercher la réponse de l'addition qui était 10.4. Je vais aller chercher la réponse de la multiplication qui était 808. Et là, je dois diviser ça ensemble parce que c'est une division. Je vais regarder les euh, chiffres significatifs. Trois chiffres significatifs ici, trois chiffres significatifs ici. Donc, ma réponse devra aussi avoir trois chiffres significatifs. Donc, là, ça a bien été. Je m'étais arrangé pour que les calculs fonctionnent bien, mais des fois, il faut faire des ajustements pour que ça les nombres de chiffres significatifs ou les nombres de chiffres décimaux fonctionnent. Donc, il faut toujours ajuster selon la bonne précision et des fois, ça veut dire ajouter des zéros. Donc par exemple, si je prends ma calculatrice puis je fais 4,00 x 0.25 à calculatrice, ça va juste me dire 1. Sauf que moi je sais que j'ai fait une multiplication et que dans une multiplication, je dois regarder les sig figs. Ici j'ai 1 2 3 sig figs, ici j'en ai juste deux, ma réponse devra aussi avoir deux sig figs. Alors je peux pas juste donner 1 comme réponse, il va falloir que ma réponse soit 1.0 pour que j'aie deux sig figs. Des fois, ce ne sera pas possible de juste se arrondir comme ça pis, ou de rajouter des zéros. Des fois, ça va être plus compliqué, puis ça va devenir nécessaire d'utiliser la notation scientifique. Un exemple de ça, c'est si je prends ma calculatrice puis je fais 8 fois 250, ça me donne 2000. Sauf que dans cette multiplication-là, il faut que j'aille chercher mes chiffres significatifs. Et mes chiffres significatifs ici me disent que là, j'ai deux chiffres significatifs. Ici aussi, j'ai deux chiffres significatifs. Donc, ma réponse doit avoir deux chiffres significatifs. Si je garde 2000 comme ça, je vais avoir juste un chiffre significatif. Ça ne fonctionne pas. Si je décide de faire en rajouter un zéro. Donc, je rajoute un zéro. Ce zéro va être significatif. Ce 2 est significatif. Maintenant, les zéros qui sont en sandwich deviennent significatifs. Ça m'en fait 5. C'est bien trop. Je ne veux pas 5 chiffres, chiffres significatifs. J'en veux juste deux. Alors, la façon d'écrire la réponse pour réussir à avoir juste deux chiffres significatifs, ça va être d'utiliser la notation scientifique et de mettre 2,0 x 10 à la 3. Et ça, c'est 2000. Et le virgule 0, 0 me dit que j'ai deux chiffres significatifs. Euh, ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez tout simplement utiliser les préfixes, donc convertir les unités. Fait qu'au lieu d'écrire que la réponse serait 2000 grammes, ou, par exemple, ben on va convertir, puis on va dire que c'est 2,0 kg. Ça revient exactement au même, c'est juste qu'on utilise les préfixes. Dans un cas comme dans l'autre, il faut qu'on s'organise pour respecter les règles. Et c'est ça qui va nous permettre de bien exprimer nos incertitudes sur les mesures expérimentales. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup d'exercices à faire dans ton document et qu'il va y avoir, euh, il y a eu déjà des activités faites en classe et il va y avoir un laboratoire à faire là-dessus pour bien te pratiquer. Donc, euh, on se voit en classe et je serai là pour répondre à tes questions. OK. Bye.